parce que c'est un corps robotique, déshumanisé. Elles ont l'œil dans le vide, on ne sait pas trouver un regard, on ne sait pas ce qu'elles veulent. Vraiment, c'est trois robots, comme une sorte d'énorme machine robotique, et à la fois imposante. Pourquoi ? Parce que ben elles sont là, quoi. Elles prennent la place et je crois qu'elles ont très très envie de la garder. Les contours sont nets, elles se dégagent de ce fond rouge. Et donc en regardant ça, je me suis dit, en fait, ça pourrait être une parfaite affiche d'Antigone d'Anouilh. Ismène, la jolie sœur, fraîche, avec sa fleur, Antigone, avachie, prête à faire un choix, mais en même temps courbée sur elle-même face à tout ce poids, et la nourrice qui a été inventée, d'ailleurs, qui n'était pas dans la pièce de Sophocle, mais dans la pièce d'Anouilh. Exceptionnel par le cadrage, et déjà rien que la façon de présenter son modèle est une façon qui est un peu hors des conventions de l'époque. Ce qui l'a intéressé évidemment, c'est le regard de Suzanne Després. La vocation pour un tu le fous la paix, la vocation pour un tu le fous la paix, notre vie, notre vie, ça ne sera pas un porte-monnaie.